Yes. Là, c'est une sorte du monde. C'est pas là ou là, c'est là. Le centre du monde est là. On sait que la nature est sauvage, mais on le sent de plus en plus, je trouve. Il y a des papillons blancs là-bas, on va pas trop s'approcher. Parce qu'on se rend pas compte, mais avec le changement climatique, toutes ces conneries, ça devient agressif. Un papillon blanc, ça va. Mais 47 papillons blancs qui te dévorent les yeux, ça je peux te dire que c'est un bon pitch de film pour faire un Hitchcock ou une connerie comme ça. Après, Hitchcock est mort, donc bon. C'est pas demain qu'on verra le truc à l'écran. Ouais. Faut qu'on remonte avant la tombée de la nuit, parce qu'il est bientôt midi et demi. Toi, quand tu vas venir au monde, tu sais pas à quoi t'attendre. Je te ferai un topo sur les papillons, ça va être vite réglé. Lui, à 3 ans, c'est un survivaliste. On dit les hommes peuvent pas enfanter, c'est des conneries. Ça. Il suffit de le vouloir. Parce que les hommes sont des lâches. Des lâches. Et moi, il y a une période où j'ai été bien là. Plutôt que d'être lâche. L-A-S. Et j'étais contente d'avoir des amis qui étaient là. Quand moi, j'étais là. Et ça, je sais pas si c'est un aphorisme ou une connerie, mais... C'est quand même pas dégueulasse. C'est peut-être pas de la poésie, je suis pas con. Je sais bien que c'est pas de la poésie. Mais les amis qui sont là. Quand t'es bien là. Mais tu sais que tu peux les compter sur les doigts d'une ou deux mains. T'as pour un tas de doigts aux mains aussi, mais c'est pareil, ça je juge pas. Moi je suis pas dans le jugement, je suis pas dans la haine, je suis pas dans le mépris. La colère peut-être, ça peut me taper. Je peux me taper des colères. Putain, il y a du monde. On filme pas. C'est... Oh. Et ça tatoue bien, mais alors après faut savoir dessiner, et moi j'ai la tremblote, c'est ça la connerie. Tu trompes comme ça avec un petit peu de... des trucs pour bien vitrifier du... je sais pas, une table de... en bois, quoi. Et le rendu, je sais pas si je vais vous montrer, parce que c'est un peu dégueulasse, là, mais... J'ai juste fait un grand trait. C'est pas très droit, c'est pas très rectiligne, quand même. La vache. Ah, c'est bondex, là, c'est pas fait pour bouffer, c'est sûr. Ah, ça rend pas mal, quand même. Mais filme pas, je préfère pas. Je vais changer cette merde et je vais acheter une vraie caisse parce que c'est pas mal. Là on a bouché le talus parce que j'arrêtais pas de me garer dedans, si tu vois ce que je veux dire. Je rentrais complètement en rond, je me foutais des cabanes dans la gueule. Et puis bah j'ai garé la bagnole 2 fois dedans. J'ai un pote qui a voulu me sortir, bon il nous a quittés depuis. Mais il est venu, il avait déjà du pastis un peu dans le cornaf. Et il est venu au tracteur. Avec des sangles et des chaînes, puis il m'a ressorti la bagnole de là-dedans. Une Volvo break. Enfin, je l'adorais. Putain, je l'aimais bien. La Volvo, putain, je ne remettrai jamais. 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 Filme pas. Chaud, hein. T'as pas une clope? J'ai arrêté de fumer, moi. J'ai pas fumé depuis 3-4 heures. Tout a tombé dingue. Je t'emmène, y a un petit troquet là qui est pas mal, je te prends un petit café.
Les rouges, s'en branle. Vas-y, viens. Là, c'est un gars qui m'a filé ça en 11. Un mec de Dijon. Sympa, mais un petit peu dangereux. J'ai essayé de lui parler un peu de tout ce qui était papillon, chenille, chrysalide. Et il n'était pas ouvert. Donc on s'est mis un peu sur la gueule. Ça, c'est que mes affaires, j'ai pris. J'ai quoi? J'ai trois. Pourquoi c'est pas à moi? Tiens, merde. Je me suis planté. Ok, bah y'en a un qui va être. Enfin, s'il y a un gars qui a envie de lire du Rimbaud. Moi, je n'ai pas du Rimbaud en tout cas. C'est un Rimbaud. 3 balles. 2 balles. Faut aller bien loin. Ils m'ont tout pris, quoi. Ça, c'est pas à moi. Ça, c'est pas à moi. Ils m'ont pris mes lacets. J'ai plus rien. Ils m'ont pris ma ceinture. Ils m'ont changé 3 fois de boutique. J'ai fait Freine la santé. Freine. 4 fois. Parce que j'ai fait 15 jours à Dijon. C'était pas les plus jolis 15 jours de mail. C'est quand même du bien d'inspirer. Ah ouais, c'est à tout. Ils ont dit dans le. Ouais, j'ai l'air pur. J'aime bien, c'est joyeux, quoi. J'en suis fier quand même. Parce que c'est pas. C'est moi. C'est un mémo de moi à moi. On comprenne qui pourra, mais moi je comprends. Ça c'est le principal. Tu payes? Non, c'est. Je pense pas vraiment la question, je peux pas. Il va être midi, la soleil va se coucher. Donc on va y aller quand même bientôt. Il n'y a pas de prix pour ça. Jamais tu verras un bac agrumes. Tiens, prends des forces parce qu'on en aura besoin. J'ai un truc à faire après en ville. Donc, prends bien une moitié. Tiens, bah c'est lui là. Le gars juste entre les deux briques. Il me doit un truc. C'est une passe. Je trouve pas ce que je veux, c'est ça qui m'emmerde. On va rien retrouver, on va se barrer, on ira sur le parking du Leclerc où on trouve. Oh putain! Putain! Ça c'est parfait ça. Alors peut-être filme pas. Non, si filme. Facile. Putain! On doutait que ça allait me faire chier, putain! Putain de merde là! Normalement, je vais y aller, mais. Allez. J'enchaîne un peu les malices, quoi. Je fais malice, comme on dit. Je fais un peu des conneries que je ferais peut-être pas. Tous les jours, quoi, au quotidien. Mais quand t'es là, il y a un truc. Il y a un truc qui se développe. Et j'aime bien. Je suis content que tu sois là, quand même. Je crois que j'aurais fait de la prison cette année si je t'avais pas rencontré. On aurait peut-être fait l'année prochaine, mais l'année d'après, mais pas celle-là. Bon, allez. Oh. Merde. Je suis con, il est accroché. Bon, allez. Ça. C'est à moi. Ça, maintenant c'est à moi. Ah oui, on est sur un vrai, là. Ça clope ça. J'allais dire filme pas, mais filme.
Bonjour. C'est sympa. Il y a quand même dans votre caisse, vous n'avez pas de, un peu d'argent. Dans la caisse? Ouais. Dans ma caisse? Ouais. Bah je veux savoir si vous aviez un petit peu, excusez-moi, parce que j'ai ça en fait. Savoir si vous aviez pas un petit peu de monnaie, quoi. Je sors de prison, c'est pour ça que je suis un peu à sec. Vous me dites. Non, jusqu'à le fond de caisse, 60 euros. 60, c'est bien ça, 60. Pas cool, les gars. Merci. Non, mais je repasserai. Vous savez que vous êtes filmé ici. Ah, hein. Merde. Ouais, bon, faut pas que je fasse le con. Alors, bon, désolé pour le dérangement. Vous avez fait plus que déranger. Ah, je suis désolé, monsieur. Bonne soirée. Également. Au revoir. Au revoir. Essayez pas de me suivre, hein, parce que ça va me. Oh! Merde. Ah! Putain! Ah, puis je m'en prends dans la gueule avec ça, putain. Oh, allez! Je vais aller voir mon copain là. Et toi, tu vas rester dans le coin si ça te va. Il habite là-haut là. Dans le 3e. Je vais aller le voir, tu bouges pas de là. Moi je monte avec mon Glock, enfin je monte. Et je vois comment ça se passe. J'espère que tu. Bon, t'as pas avoir peur de toute façon, mec. Tu patientes quoi, ça va pas être long. Ok? J'y vais, à tout. Il y a un embrouille. Non, il n'y a pas d'embrouille. Non, c'est pas lui qui connaît la lettre, il est marqué. Il me soit, il est forcément énervé. Oui, mais fais ta gueule, tu me grattes. T'es con, quoi. On est bien. Oh, tonton, la sirène des flics. Allez, mets ta ceinture. Oh, ce putain de flingue, lâche ça. Tu vas me plomber la gueule pour pas mal. J'essaie de t'aider, toi, bien j'essaie de t'aider. Parce que j'en durais. Putain, la gendarmerie. Une passe. Bonjour. Bonjour messieurs, gendarmerie nationale. Allez, on coupe le contact et on sort du véhicule, merci. Filme pas. J'ai froid. Ah, l'enculé. C'était sympa quand même. Hein? Qu'on ait pu faire des blagues ensemble. J'allais dire, je m'en souviendrai de ce qu'on a vécu, mais non, ça pas. Je m'en souviendrai pas si je claque. Mais je crois que je vais pas claquer. Oh la vache! Oh putain, je commence à pas être bien. Mais, je suis content qu'on ait pu échanger, quoi. Attends, je suis pas bien. Soixante du monde et les grands.
tes grands papillons. Tu te crapes, hein.